Bonjour, bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 48 de votre série préférée Méhec, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute avec Shoria plongée dans ses pensées, se remémorant les mots percutants de Svetlana. J'ai vraiment hâte de voir si elle peut te rendre meilleur, ou si elle réussira à te transformer en un esclave qui te défend à tout prix. Méhec arrive à ce moment-là, portant un plateau avec des médicaments et un verre d'eau. Avec douceur, elle lui dit, « Prends tes médicaments, Shoria. Ensuite, si tu te sens mieux, nous irons marcher dans le jardin. » Le médecin a recommandé des exercices. Shoria, visiblement irritée, jette violemment le verre d'eau au sol. Surprise et inquiète, Méhec s'exclame, « Shoria. Mais qu'est-ce qui te prend? Que se passe-t-il ? » Sans répondre, Shoria lui saisit brusquement le bras et la tire hors de la pièce. Méhec tente de se dégager, répétant, « Lâche-moi, Shoria. Dis-moi ce qui se passe. » Mais Shoria reste sourd à ses appels. Il la conduit à l'extérieur de la maison, où il s'arrête enfin et déclare froidement, « C'est fini, Méhec. C'est terminé entre nous. » Déconcerté, Méhec demande, « Qu'est-ce que tu veux dire, Shoria ?» Shoria, le regard rempli de colère, l'accuse, « Arrête de faire semblant. Je sais que c'est toi qui as intentionnellement versé de l'huile sur le sol pour que je tombe et que je me blesse. Tu voulais me voir à terre, implorant ton aide, pas vrai ?» Stupéfaite, Méhec proteste, « Shoria, Shoria. » Mais il l'interrompt durement, « Tais-toi. Je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle bassesse. Tu m'avais promis de m'aider à dépasser mes limites, mais tout cela n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas? Tu complotais contre moi dans mon dos, et tu aurais pu causer une blessure qui m'aurait cloué au lit pour toujours. » Shoria poursuit, sa voix pleine de mépris, « Ma mère pense que tu es la femme la plus compréhensive qu'elle ait connue. Ta tante, elle, te croit parfaite, dotée d'un cœur d'or. Mais moi, je sais qui tu es vraiment. Manipulatrice, rusée, indigne de confiance. Tu me dégoûtes, Méhec Sharma. Tu es répugnante. Je te hais. » Il appelle alors Jamal, l'un des gardes, et lui ordonne, « Cette femme, gardez-la à l'œil. À aucun prix, elle ne doit remettre les pieds dans cette maison. » Les gardes acquiescent, « Oui, monsieur. » Dans un geste de mépris ultime, Shoria jette de l'argent aux pieds de Méhec et déclare, pour le taxi. Maintenant, disparaît de ma vie. Sous le regard impassible des gardes, Méhec reste figé un moment, puis demande calmement à l'un d'eux, « Pouvez-vous récupérer mon scooter, s'il vous plaît ?» Le garde, compatissant, lui propose de s'asseoir à l'intérieur pour éviter le froid, mais Méhec refuse poliment, affirmant qu'il ne fait que son travail. Elle monte ensuite sur son scooter et quitte la maison sans un mot. De retour chez lui, Shoria est seule, mais son esprit bouillonne. « J'ai fait une erreur, » pense-t-il. « Avant de la chasser, j'aurais dû l'humilier exactement comme elle m'a humilié. Quel idiot je fais ! Elle doit croire qu'elle est plus maligne que moi, mais je suis Shoria Kana. Je ne suis pas si facile à abattre. » En proie à une colère froide, il monte sur la terrasse et appelle un garde pour s'assurer que Méhec est bien partie. « Elle est déjà partie, » répond le garde. Shoria, méfiant, insiste, elle va essayer de revenir. Si tu veux garder ton travail, fais en sorte qu'elle ne remette jamais les pieds ici. C'est compris? Le garde confirme, compris, monsieur. Chez les Sharma, une agitation règne alors que Kanta presse tout le monde de se dépêcher pour ne pas être en retard. Noal, exaspéré, réplique qu'elle a le droit de prendre son temps et rappelle qu'elle doit aussi assumer les tâches laissées par Méhec depuis son départ. Mansi, quant à elle, tente de calmer les choses tout en indiquant que la maison a été mise sens dessus dessous par Noal, ce qui a causé du retard. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Kanta demande à Noal d'aller voir qui est là, tandis que Mansi sort de la maison pour partir. À la porte, Noal découvre Méhec, visiblement bouleversée. Surprise, elle s'écrie et appelle les autres, « Maman, regardez qui est là !» Kanta et Mansi accourent, stupéfaites, étreignent Méhec en demandant des explications.
Elle remarque son absence de bagages et son air troublé. Pressée de questions, Meek révèle que Shorya l'a chassé de chez lui. Elle demande à parler en privé avec Kanta, puis entre dans la maison, refermant la porte derrière elle. Pendant ce temps, dans la résidence Kana, l'ambiance est tout autre. Svetlana jubile en célébrant sa réussite. Elle demande à Vicky de mettre de la musique pour fêter leur victoire. Shruti, avec sarcasme, remarque que Svetlana semble agir comme si elle avait tout gagné. Svetlana, fière, réplique qu'elle ne possède peut-être pas tout, mais qu'elle contrôle désormais la résidence Kana. Elle se vante d'avoir facilement réussi à expulser Meek Sharma de la maison, un exploit qu'elle savoure pleinement. Chez les Sharma, une discussion tendue éclate entre Kanta et Meek. Kanta reproche à Meek de continuer à défendre Shorya après qu'il l'a chassée de chez lui sans hésiter. Elle lui demande si elle manque à ce point d'amour propre pour vouloir encore s'accrocher à quelqu'un qui l'a traité de manière si humiliante. Meek, tout en reconnaissant que le comportement de Shorya est inacceptable, insiste sur le fait qu'il a agi sous l'influence de quelqu'un d'autre. Elle demande à sa tante de lui laisser un mois pour mener ses propres démarches et promet que si elle échoue, elle reviendra et suivra toutes les décisions de sa famille sans discuter. Kanta s'oppose fermement à ce que Meek retourne chez Shorya, craignant pour sa sécurité et dénonçant son comportement instable. Elle exhorte Meek à mettre un terme à cette situation, mais Meek insiste avec émotion, plaidant pour qu'on lui fasse confiance une dernière fois. Elle explique que Shorya agit ainsi en raison des influences toxiques qui l'entourent, comme Shruti et Svetlana, et de ses blessures émotionnelles profondes. Meek est convaincu que son amour peut le transformer et veut qu'il réalise l'ampleur de ses erreurs. Elle supplie sa tante de lui laisser une chance de mener à bien son plan, promettant de ne plus insister si elle échoue. Devant la détermination de Meek, Kanta finit par céder et demande des détails sur le plan. Meek partage alors sa stratégie pour confronter Shorya et lui faire comprendre ses torts. Pendant ce temps, Karuna, de retour chez elle, s'inquiète pour Meek et interroge Shorya. Ce dernier prétend que Meek est parti rendre visite à sa famille, mais Karuna, sceptique, remarque qu'il ne correspond pas au caractère de Meek de quitter son mari malade sans prévenir. Elle avertit Shorya que s'il lui a fait du mal, il devra en répondre. Dans un moment décisif, Meek, Kanta, Mansi et Nehal montent sur deux scooters, en route vers la maison de Shorya, bien décidés à affronter la situation. Karuna tente désespérément de joindre Meek, en proie à une profonde inquiétude. Elle se répète qu'elle ne pourra pas retrouver la sérénité tant qu'elle n'aura pas parlé à Meek. Pendant ce temps, Svetlana, dans un moment de réflexion, se remet en question. Elle s'interroge sur le temps qu'elle perd avec des individus comme Sanjay et Kadet, réalisant qu'elle mérite mieux. En se détachant de ses relations infructueuses, elle affirme sa détermination à viser plus haut. Pour elle, l'histoire entre Shorya et Meek, qui s'est rapidement dissipée, n'a plus d'importance. Elle se félicite de cette nouvelle lucidité, s'encourageant avec une fierté renouvelée. Shorya, allongée sur son lit, est soudainement troublée par des voix féminines venant de l'extérieur, scandant avec insistance « Shorya Kana en prison, Shorya Kana en prison, prison ». Intriguée et perplexe, il se rappelle la dernière fois où une foule s'était réunie devant chez lui, lors de l'inauguration de son restaurant chinois. Il se demande qui il a pu offenser cette fois. Attiré par le bruit croissant, il se lève et se dirige vers la terrasse de sa chambre. En apercevant les manifestantes, il murmure avec étonnement « Meek ». En bas, les femmes continuent leur clameur, exigeant son emprisonnement. Elles tentent de franchir les grilles de la maison, mais les gardes leur bloquent l'accès. Une confrontation sans suite. Kanta, avec une autorité presque maternelle, interpelle un garde, lui ordonnant de les laisser passer « Écoute, fiston, laisse-nous entrer pour parler à Monsieur Kana ». Nehal renchérit avec des menaces à peine voilées, insinuant que la police pourrait intervenir. Les gardes, restant fermes, rappellent qu'ils agissent sur ordre et avertissent que toute tentative violente sera réprimée. Mais Nehal, avec assurance, réplique qu'elles n'ont pas besoin de violence pour les mettre à leur place. La tension monte d'un cran lorsque Mansi, outré par les propos des gardes, se heurte verbalement à eux. Finalement, les manifestantes passent à l'offensive en lançant des tomates sur les gardes. Dépassées,
ces derniers prennent la fuite, laissant le groupe de femmes pénétrer dans la maison tout en continuant leur cri, Shorya Kana en prison. Face à la scène chaotique, Shorya descend et confronte la foule. En colère, il tente de reprendre le contrôle, arrêté immédiatement. Si vous ne quittez pas les lieux, j'appellerai la police et vous serez tous arrêtés. Mais sa menace reste sans effet. La leader des manifestantes, imperturbable, donne un nouvel ordre, lancez les tomates. Les cris et les projectiles reprennent, transformant la confrontation en un véritable tumulte. Une confrontation explosive éclate devant la maison de Shorya Kana. Alors que les femmes manifestantes scandent Shorya Kana en prison, il menace d'appeler le commissaire de police pour les disperser. Kanta, intrépide, le défie ouvertement, déclarant qu'elle exposera publiquement ses torts. Avec véhémence, elle accuse Shorya d'avoir expulsé Mehek, sa propre épouse, de leur maison. Mehek, poussée par Noal, tente de défendre son mari, affirmant qu'elle est prête à tout quitter pour lui, même la ville. Mais ses paroles provoquent la colère de Noal, qui lui reproche son aveuglement face à un mari qu'elle qualifie d'abuseur. La situation se complique lorsque Karuna, la mère de Shorya, exige de savoir s'il a réellement mis Mehek dehors. Shorya, sur la défensive, minimise ses actes, accusant Mehek de manipuler tout le monde. Mais Mehek le supplie de ne pas nier leur lien et d'arrêter de l'humilier. En même temps, elle demande aux femmes de calmer leur colère, tout en reconnaissant les abus de Shorya. Kanta enflamme davantage la foule en soulignant que les violences domestiques ne seront plus tolérées. Alors que les manifestantes continuent à crier pour réclamer justice, Svetlana intervient, mais elle devient rapidement la cible de leur colère. Kanta l'accuse d'être l'instigatrice des comportements de Shorya. Pendant ce tumulte, Mehek demande qu'on évite la violence, essayant de calmer les esprits. Shorya, excédée, demande à sa mère, Karuna, de faire taire la foule. Mais Karuna, en connivence avec Mehek, insiste sur le fait que les femmes modernes ne toléreront plus les abus. Shorya, frustrée, finit par nier publiquement que Mehek est son épouse, provoquant une réaction déchirante de Mehek, qui implore son respect et affirme leur mariage. Karuna, prenant le parti de Mehek, confirme son statut de belle-fille, exigeant une preuve de leur union. Shorya, furieux, met un terme à la discussion, menaçant de chasser tout le monde de force, y compris Mehek. La leader des femmes rétorque fermement, avertissant Shorya de ne pas commettre d'erreur, car elles sont prêtes à appeler la police et les médias pour exposer ses actes. Dans une scène chaotique, la pression monte, laissant Shorya face à un déluge d'accusations et à une foule déterminée à obtenir justice. Alors que la tension est à son comble, une femme, au téléphone, contacte Z News, prête à alerter les médias. Mehek, paniqué, intervient pour empêcher cette démarche, plaidant en faveur de Shorya. Elle tente de convaincre tout le monde de partir, expliquant que son mari n'agit ainsi que sous le coup de la colère et qu'ils peuvent être heureux ensemble. Cependant, Noal s'insurge contre cette attitude et accuse Shorya d'avoir profité des recettes de Mehek pour ouvrir son restaurant de manière malhonnête. Elle affirme que le monde entier doit connaître la vérité et que les femmes ne devraient plus tolérer de tels comportements. Pendant que Noal s'exprime avec passion, Vicky, fascinée, tombe sous son charme et se perd dans ses pensées, s'imaginant danser avec elle. Les cris des manifestantes réclamant l'arrestation de Shorya le ramènent brusquement à la réalité. Shorya, cherchant une issue, propose de régler la situation calmement et demande ce que les manifestantes veulent. La leader, trouvant cette approche plus raisonnable, accepte, mais Karuna insiste pour que la discussion se déroule à l'intérieur afin d'éviter un scandale devant la maison. Malgré la réticence de Shorya, tout le monde entre dans le salon. À l'intérieur, la leader des femmes présente une liste d'exigences que Shorya doit accepter. Noal propose des demandes précises, Shorya doit emmener Mehek dîner et faire du shopping une fois par semaine, et déjeuner avec elle deux fois par semaine. Mehek, taquine, suggère un déjeuner supplémentaire. Kanta ajoute que Shorya doit célébrer toutes les fêtes avec Mehek, y compris la Saint-Valentin. Shorya, dépassée, argue que cela n'est possible que si Mehek revient vivre dans la maison. La leader lui rappelle que Mehek est déjà là, dans son salon, et l'avertit, s'il ose la mettre dehors à nouveau, ce sera lui qui finira en prison. Le ton devient sérieux, et les manifestantes,
avec Neal en tête, se prépare à énoncer le reste des conditions. Dans le salon, Neal énumère les dernières exigences, Shorya devra cuisiner pour Meek au moins une fois par semaine et la nourrir de ses propres mains. Shorya, incrédule, refuse cette requête, mais propose en plaisantant que Meek et les autres puissent manger gratuitement dans son restaurant à volonté. Meek, gênée, tente de minimiser en demandant qu'on oublie cette condition, mais la leader insiste. Elle demande à Shorya de signer la liste des exigences, et malgré son mécontentement, il s'exécute sous la pression. Karuna intervient ensuite, signe également en tant que témoin, et déclare qu'elle accepte d'assumer les conséquences si Shorya ne respecte pas ses engagements. Les femmes célèbrent leur victoire en scandant « la protection de la femme ». Nous sommes là. Devant une Meek visiblement émue. Elle les remercie et demande à passer un moment seul avec Shorya. En s'adressant à lui, elle exprime son amour inconditionnel, affirmant qu'elle ne se plaindra pas s'il ne respecte pas toutes les conditions. Shorya, touchée, lui répond qu'il l'aime aussi. Karuna, satisfaite, leur conseille de se retirer dans leur chambre, et Meek remercie les femmes présentes pour leur soutien avant de leur demander de partir. À l'extérieur, Kanta remercie la leader et les autres manifestantes pour leur aide. La leader, en retour, affirme que Meek est comme leur fille et qu'elle ne pouvait pas la laisser souffrir. Elle rappelle que, pour chaque homme comme Shorya, il faut une femme courageuse comme Meek pour tenir tête et triompher. Après un dernier salut, les femmes quittent les lieux. Alors que tout semble revenir au calme, Neal interrompt le départ en réalisant qu'elle a oublié son téléphone à l'intérieur. Sous les regards amusés, elle retourne chercher son appareil, provoquant une remarque légère de Mansi sur son étourderie. Alors que Vicky regarde Neal courir pour récupérer son téléphone, il fait une remarque sur la manière dont les livres ont été remplacés par les portables dans les relations amoureuses. Neal, énervé, l'interpelle en courant, l'appelant abruti et lui reprochant de la regarder de manière insistante. Elle exige qu'il lui rende son portable, mais lorsqu'elle le prend, elle se rend compte que l'appareil est cassé. Furieuse, elle l'accuse d'avoir brisé son téléphone, un cadeau précieux que son père lui avait offert en avance pour son anniversaire. Vicky, paniquée, s'excuse, mais Neal, ne voulant rien entendre, le qualifie d'imbécile avant de partir furieuse. Plus tard dans la soirée, Meek se brosse les cheveux en chantant, un moment de calme interrompu par Shorya qui, avec un ton moqueur et froid, lui demande si elle croit avoir gagné. Il lui rappelle qu'il est Shorya Kana et qu'elle ne pourra pas le vaincre aussi facilement, malgré l'intervention des femmes de l'organisation et les menaces de poursuite. Il rejette aussi la liste des exigences romantiques qu'elle lui a imposées, affirmant que cela ne changera pas ses sentiments, notamment la haine qu'il ressent envers elle. Meek, calme mais déterminée, lui répond que la liste et l'intimidation ne sont que des moyens pour qu'il passe plus de temps avec elle. Elle avoue qu'elle a peur de la violence qui pourrait survenir, mais qu'elle est prête à continuer à se battre pour leur relation, car elle est sa femme et c'est son rôle de le changer. Elle lui rappelle qu'il l'a jetée dehors, mais qu'elle est revenue dans sa maison pour le transformer par son amour. Meek insiste sur le fait que les personnes autour de lui peuvent être dangereuses et qu'il sous-estime ceux qui lui veulent du mal. Elle lui dit qu'il se croit intelligent, mais qu'il ne l'est pas autant qu'il le pense. Shorya, amusée, sourit et la défie, lui demandant si elle est vraiment là simplement pour l'aider à changer. Meek répond qu'elle n'est pas là uniquement pour ça, mais aussi pour qu'il comprenne le mal qu'il a fait à elle et à sa famille. Elle déclare qu'elle ne se laissera pas briser facilement, qu'elle ne baisse pas les bras et que si lui ne lui montre pas de respect, elle trouvera un moyen de revenir, peu importe ce qu'il fera. Elle conclut en disant qu'il a enfin trouvé son égal, qu'elle a été élevée avec de bonnes valeurs contrairement à lui, et qu'il n'a aucune idée de sa force intérieure. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.